nous allons dans ce tutoriel expliquer le fonctionnement de l'outil « Remplacer OSB ». Nous allons pour cela ajouter dans notre scène des murs supplémentaires pour compléter notre tutoriel. Utilisons la barre espace pour quitter notre outil. Nous ajoutons des ouvertures. Et rangeons nos nouveaux murs dans de nouvelles familles. Et maintenant, libérons les pièces. Comme vous pouvez vous apercevoir, nous avions déjà créé des calques pour nos voiles travaillants et bardages. Il suffit maintenant de procéder à la sélection de chaque type de voile et de les joindre aux calques correspondants. Nous utilisons pour cela l'outil de sélection. Par matière. Nous utiliserons également l'outil isoler pièces pour une plus grande facilité au clic droit. Nous effectuons la même procédure au deuxième voile. Nous masquons le calque bardage et créons une nouvelle scène que nous appellerons dans notre exemple global OSB. Nous sélectionnons un des panneaux. Puis l'outil de sélection. Et par matière. Et nous cliquons sur notre outil remplacer OSB par panneau OSB. Un message de confirmation apparaît, nous cliquons OK. Les voiles travaillants ont été remplacées par des panneaux de forme composants dynamiques. Dans ce deuxième chapitre du tutoriel, nous allons positionner les panneaux si justification, puis les ajuster. Les murs formant un angle entrant seront amenés à un ajustement de position. Moins 143 mm sera cet ajustement. Étant donné que notre ossature est de 145 mm, il faudra retirer 145-2. Ces 2 mm étant déjà paramétrés, ils sont les jeux de départ. Si nous avions créé des murs avec une ossature de 220, nous devrions donc déplacer de 218 mm. Sélectionnons le composant dynamique illustrant les panneaux contreventants de notre mur. Depuis la barre outil Woody DC, ouvrons la boîte de dialogue options. Également disponible depuis le menu contextuel par clic droit. Renseignons la distance de départ du premier panneau à moins 143 mm. Et cliquons OK.
Vérifions maintenant les contreventements des murs suivants. Sur ce mur 4, nous apercevons que nous avons un panneau de largeur étroite. Réduisons alors la distance de départ du premier panneau d'une travée, déduite de 2 mm. Notre entraxe de nos montants du projet étant de 600 mm, alors notre paramétrage sera de 598 mm. Une fois notre vérification et ajustement de position établi, procédons à la libération des pièces. Supprimons les panneaux inutiles. Ouvrons maintenant la barre outil d'ajustement depuis la barre principale de Woody. Extend. Et sélectionnons tous les voiles de contreventement à l'aide de l'outil de sélection par matière. Et isolons-les par l'intermédiaire de l'outil isoler la sélection. Nous créons ici une nouvelle scène pour fournir un espace de travail confortable à l'ajustement à réaliser. Nous nous servirons de l'outil pièce à face pour procéder à l'ajustement des panneaux aux différents angles. Puis nous reviendrons à la scène précédente, pour ajuster en extrémité des murs. Le moment est venu de découper nos voiles aux endroits des ouvertures. Prenons l'outil rectangle de SketchUp. Et procédons à la manière décrite dans cette vidéo. Puis avec l'outil pousser tirer ou par le raccourci clavier P. On extrude les faces suffisamment afin de dépasser l'épaisseur mur, bardage compris. Une fois la première extrusion réalisée, SketchUp enregistre la distance. Pour les extrusions suivantes, un double clic sur les faces choisies suffiront. Un triple clic sur chaque cube pour sélectionner les entités de ceux-ci et les transformer en groupe SketchUp. Ces groupes ainsi réalisés seront nos pièces entaillantes. Nous prenons l'outil entailler pièces. Nous cliquons sur la pièce à entailler puis sur le groupe entaillant. Nous procédons de cette manière pour tous les panneaux à entailler. Pièce à entailler. Groupe entaillant. Nous activons la scène globale où toutes les couches sont visibles. Et nous entaillons le bardage.
nous supprimons les groupes en taillant. Nous supprimons les scènes inutiles. Ici, la scène provisoire isolant le voile travaillant. Et nous activons la scène ossature avec voile travaillant. Nous changeons le style. Puis nous ajoutons une nouvelle scène. Celle-ci enregistrera nos nouveaux paramètres. Nous renommons cette scène. Nous prenons l'outil Créer page. Nous créons notre première scène du mur 4. En cliquant sur une des faces de notre choix. Pour masquer un calque, il ne faut pas que celui-ci soit actif. Nous devons donc, pour le désactiver, activer un autre calque en ajoutant le petit crayon en prolongement de celui-ci par un simple clic. Nous pouvons également le faire depuis la barre outils calque en sélectionnant celui-ci dans la liste déroulante. Voyez les exemples sur ces quelques images. Activons le calque sans balise contenant l'ossature bois. Et masquons les voiles. Ajoutons des cotations au calque ossature bois. Avec les outils dédiés à la cotation de Woody. Affichons le calque du voile travaillant et activons-le. Masquons le calque ossature bois. Ajoutons des cotations au calque voile travaillant. Sélectionnons une cotation puis clique droit Info de l'entité du menu contextuel. Puis depuis le menu SketchUp, cliquons sur Fenêtre, Info sur le modèle. Nous sélectionnons Cotation, cliquons sur Sélectionner toutes les cotations. Et cliquons sur la vignette de couleur de la fenêtre Info sur l'entité. Et changeons de couleur les cotations ainsi sélectionnées. Notre tutoriel se termine. Nous vous remercions de votre attention. En vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir, et à notre prochain tutoriel.